ويشكت كن يمكن إباب شابان نيجو كم كي كن تشكتا نينجو ندادا تشاكم تشانا نمبن كن يوميك بيا أنجو كو كامرتمان كم كوان إباب نامك نيجو كم يوشتات بكيج نسكي زينريو كيجو كما نمشوم أسا ميميجات أنجو بوت نجي بميرغو كتنات يوكشيش ني كي وام كيك ني تشتيك نيرو Quoi, Erioma Washish Njinkazon, Obedjuan Nebeotatan. Je suis étudiante à la maîtrise à l'Université du Québec de Chicoutimi. Puis, en fait, je suis multidisciplinaire. Je fais beaucoup de peinture, je fais beaucoup d'installations aussi. J'aime introduire le 3D avec le 2D. Je me documente beaucoup. C'est ça, la manière que je fonctionne, c'est qu'avant de faire un projet, souvent, je ne sais pas du tout. Encore de quelle manière mon projet va prendre forme. Puis je m'inspire beaucoup de ma culture, en fait, de ma double identité. Je suis ma mère est québécoise, puis mon père est Atikamekw d'Obedjouane. Donc j'aime mixer ces deux cultures-là ensemble et puis les mettre en dualité aussi. C'est beaucoup ça qui m'intéresse, le contraste des deux cultures. Bonjour Hélène, ça va bien? Oui. Le soutien, c'est important. Oui, ma famille me supporte, c'est sûr, mais de sentir aussi que ma communauté, les gens de ma communauté, je les sens en arrière de moi aussi qui me soutiennent parce que moi, je présente des choses dans mes œuvres, puis j'ai besoin de savoir que les gens de ma communauté comme approuvent un peu ce que je montre, ce que je projette comme image, dans le fond, de la culture amérindienne, donc pour ça, je pense qu'ils sont, ouais, sont derrière moi. Mon engagement que j'ai envers mon peuple, je pense que c'est surtout ça globalement qui m'inspire puis qui me pousse dans le fond. Que je conseille aux jeunes, en fait, qui ont envie de s'en aller, pas nécessairement dans le milieu des arts, mais qui ont envie de poursuivre leurs études ou qui ont des rêves ou peu importe, je pense que c'est de ne pas avoir peur. Parce que souvent, quand on vient d'une petite communauté comme ça, comme Obedjouane qui est assez isolée, parfois ça fait peur aussi de sortir de la communauté puis de se sentir loin des siens, de sa famille, ses amis. Mais je pense qu'un coup que tu as franchi cette étape-là, de passer par-dessus ta peur, ben, je pense que c'est là que tu te rends compte que tout est possible. C'est clair que je suis fière de moi.